Cet après-midi, nous allons parler vivre dans la victoire en face des épreuves. Comment vivre dans la victoire en face des épreuves? Le Seigneur m'a inspiré ce message pour te parler ce soir, pour t'aider à être un chrétien vainqueur, à être un chrétien victorieux dans tous les domaines de ta vie. Et à la fin de ce message, nous prierons ensemble et nous scellerons ce message pour que cela devienne totalement réalité dans nos vies. Alléluia. Notre texte de base est dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Et je vais lire au premier verset. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 1. La Bible nous dit ceci. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, et nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. La Bible dit, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Alléluia. L'apôtre Paul est en train de louer l'église de Thessalonique, à qui il écrit une lettre en disant, vous avez appris de nous comment vous devriez vous conduire pour plaire à Dieu. Je pense qu'il y a un souci ici. On va changer de micro, ça serait plus simple. Merci, frère Jacques. La Bible dit ceci, vous avez appris de nous comment vous deviez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est là ce que vous faites. Alléluia. Ici, on voit déjà le Seigneur louer l'église de Thessalonique. Et que cette assemblée avait appris comment il devait se conduire. Comment il devait marcher dans la foi chrétienne. Et pour plaire à Dieu. Et cette église a appris à marcher de manière à plaire à Dieu. Amen, amen. Et c'est là, l'apôtre Paul dit, comme vous avez déjà commencé à plaire à Dieu, vous devez aller de progrès en progrès. Bien-aimé, lorsque on veut marcher avec le Seigneur, on doit savoir comment Dieu marche. Pour marcher en harmonie avec lui. Comment dois-je marcher avec lui pour que je lui sois agréable? Donc ici, l'église de Thessalonique était une église agréable à Dieu. Bien que ta foi chrétienne doit être agréable à Dieu. Et du haut de ce, le Seigneur Jésus doit te regarder et dire que tu es un enfant agréable devant lui. Ici, l'apôtre Paul a certifié que l'église de Thessalonique était une église agréable au Seigneur. Et comme ils avaient déjà atteint ce niveau, l'église était allée de progrès en progrès. Alléluia. Bien-aimé, chaque année, tu dois aller de progrès en progrès dans ta foi chrétienne. Chaque mois, tu dois aller de progrès en progrès dans ta foi chrétienne. Et le thème de cet après-midi, comme je vous l'ai dit, a pour but de nous enraciner dans notre foi et de mener une vie chrétienne de victoire. Mais pour que nous voyons clairement la marche d'un croyant avec Dieu, nous devons aller comment le Seigneur a choisi un peuple. Il a choisi Israël. Ils étaient en Égypte. Ils étaient sous l'oppression de Pharaon. Et Dieu s'est révélé à Moïse. Et il a choisi un peuple. Et il a fait sortir ce peuple de l'Égypte pour les amener à Canaan. Bien aimé, ils étaient en Égypte. Ils ont traversé le désert. Ils sont arrivés à Canaan. Bien aimé, la vie chrétienne a trois étapes. Et nous allons analyser les trois étapes. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas la victoire parce qu'ils ne connaissent pas les étapes de la progression dans la foi chrétienne. Ils ne connaissent pas la marche réelle d'un chrétien jusqu'à la plénitude de la victoire dans sa vie. Alléluia.
Bien, ici on voit le Seigneur se révéler à Moïse au monde. Et le Seigneur mandatait Moïse. Et de là, une histoire commence. Et à chacun de nous, chaque étape de la marche d'Israël jusqu'à la terre Canaan a une signification spirituelle pour chacun de nous. Nous allons analyser cette marche. Nous allons étudier cette marche. Nous allons étudier pourquoi les enfants d'Israël ont fait 40 ans dans une étape de la marche. Nous allons étudier leur faiblesse. Et nous allons nous préparer à corriger ces faiblesses-là pour que nous soyons des chrétiens différents d'Israël. Quelqu'un peut dire amen avec moi ce soir? Est-ce que vous me saisissez? Est-ce que vous me saisissez? Je dis ceci. La vie chrétienne est une marche. La vie chrétienne n'est pas un état. La vie chrétienne est un mouvement. La vie chrétienne est d'un instant où Dieu te prend, vous commencez une marche ensemble. Jusqu'à la plénitude de son plan dans ta vie. La Bible dit en Jérémie chapitre 29, je connais le plan que Dieu ferait pour vous. Le plan de bonheur et non de malheur. Pour vous donner de l'espérance. Je connais le plan que Dieu ferait pour vous. Le plan de Dieu dans notre vie est un plan de bonheur. Le plan de Dieu dans notre vie est un plan d'épanouissement. De la même manière, il a dit aux enfants d'Israël, j'ai vu votre souffrance en Égypte, je vais vous faire sortir de ces lieux d'esclavage pour vous amener là où coule le lait et le miel. Bien aimé, il y a un temps où Dieu va te sortir de l'oppression et il va t'amener dans les lieux où coule le lait et le miel. Mais maintenant, on va analyser la marche. Il est important de savoir où est-ce que Dieu va te faire passer. Il est important de savoir cette marche a des arrêts. Cette marche a des mouvements. Et à chaque étape de la marche, ça explique quelque chose dans la vie du croyant. Bien-aimés, ce message, si vous le saisissez, vous devenez inévitablement un chrétien épanoui. Et quand vous devenez un chrétien épanoui, vous devenez un témoin de Jésus. Quand vous devenez un chrétien épanoui, votre propre vie devient un témoignage de l'amour et de la bonté de Jésus. Le but de ce message est que toi et moi, nous entrons effectivement à notre canal, le lieu de l'accomplissement des promesses. Le lieu où lorsque Dieu dit que je t'ai guéri, tu es effectivement guéri. Le lieu où Dieu dit je t'ai béni, tu es effectivement béni. Le lieu où Dieu dit tes ennemis sont sous tes pieds, ils sont effectivement sous tes pieds. Bien-aimé, en Égypte, Dieu a promis. À Canaan, Dieu a accompli. Quelqu'un peut dire amen avec moi ce soir. Oh, et je sais que ce message va bénir quelqu'un. Alléluia. On va ouvrir la parole de Dieu dans Exode. On va commencer dès le début. Est-ce que vous avez saisi mon introduction? Est-ce que vous avez saisi le but de ce message? Le but de ce message, c'est de te faire passer d'un niveau vers un autre. Le but de ce message, c'est de savoir comment Dieu marche. Et comment tu marches avec lui pour que tu sois un chrétien épanoui à ton voisin. Je ne veux plus pleurer. Je ne veux plus pleurer. Alléluia. Dans Exode chapitre 3, j'ai lu à partir du deuxième verset. La Bible dit ceci. L'ange de l'Éternel, bon, je commence au verset 1. Frère Jacques va nous préparer dans notre temps, Nombre chapitre 13, parce qu'on en aura besoin. Amen. Nombre chapitre 13. Nombre chapitre 13, verset 27. Amen. Moi, je lis ceci. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena les troupeaux derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans un flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regardait, voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait pas. Amen. Au verset 7, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple
qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès des pharaons, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Alléluia. Bien-aimé, Dieu a vu la souffrance de son peuple. Dieu a vu la souffrance d'Israël. Là où Pharaon et les Égyptiens les opprimaient, les gardaient en captivité. Et Dieu a vu la souffrance. Bien-aimé, Dieu voit ta souffrance. Dieu voit ma souffrance. Dieu voit la souffrance de son peuple. Et Dieu réagit. Ici, Dieu a vu la souffrance d'Israël. Et il s'est révélé à Moïse. Il dit, je t'envoie pour délivrer mon peuple de l'oppression de Pharaon et des Égyptiens. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimé, l'Égypte symbolise le paganisme. L'Égypte symbolise les chrétiens aussi attachés. Quelqu'un peut dire amen avec moi. L'Égypte symbolise les chrétiens esclaves. Bien aimé, le Seigneur voit la souffrance de son peuple. Parce que Israël était le peuple béni de Dieu, la descendance d'Abraham, à qui Dieu a donné les promesses. Mais le peuple béni de Dieu était esclave, opprimé par Pharaon et ses habitants. Bien aimé, laisse-moi te dire, l'Égypte est le lieu où tu es sous oppression, sous domination, sous esclavage. Quelqu'un te dit amen avec moi. Quelqu'un te dit amen avec moi. S'il y a quelque chose dans ta vie qui t'opprime, s'il y a quelque chose dans ta vie qui te dérange, si tu ne peux pas dire avec liberté, Seigneur, tu es bon, Seigneur, je t'aime, je vis ta gloire, bien-aimé, sache que j'ai un message pour toi. S'il y a quelque chose qui te tourmente pour témoigner la bonté et la véracité de la parole de Dieu dans ta vie, sache que c'est un message pour toi. Et ici, Dieu dit, Moïse, je t'envoie. Je vais vous parler de l'aspect de Moïse. Mais je veux déjà qu'on analyse l'aspect d'Israël. Parce que ce message n'est pas destiné aux serviteurs. Ce message est destiné au peuple. Donc on va analyser Israël. On ne va pas analyser Moïse. Et à l'école du ministère, on analysera Moïse. Mais ici, on va analyser Israël. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Dieu envoie son oint vers son peuple. Il dit, va délivre mon peuple de l'Égypte. Fais-le sortir de l'esclavage. Amène-le dans une terre agréable que j'ai préparée pour eux. Bien aimé, il y a une terre que Dieu a préparée pour toi, dis amen. Il y a un lieu que Dieu a préparé pour toi, dis amen. Pendant que le peuple gémissait, oh my God, pendant que le peuple agonisait sous l'oppression de leur bourreau, sous l'oppression de leur maître, mais le Père Céleste préparait une terre où il avait déjà prévu pour les amener, où il avait déjà prévu pour les planter. Bien aimé, pendant que ton pharaon allait être opprimé, le pharaon est le symbole du diable, et les Égyptiens le symbole des démons de puissance occulte. Les Égyptiens, les symboles de fils de la rébellion qui opprime le peuple de Dieu. Bien aimé, pendant que toi qui es en train d'opprimer, ton Père Céleste a préparé un canal. Il a préparé une terre. Il est en train de préparer une terre. Il a dit, je vois la souffrance de ma vie. Je vois la souffrance de mon fils. Et moi-même, je descendrai. Et je le ferai sortir de l'Égypte. Et je l'amènerai dans la terre où le lait est bien. Bien aimé, dans la terre où il y a les promesses. Dans la terre où on dit, Seigneur, tu es bon. Dans la terre où on dit, je suis fils de Dieu. Je ne perds rien parce que mon Père m'a amené dans la terre promise. Bien, il y a une terre promise pour toi. Dis amen. Mais maintenant, Dieu envoie Moïse. Et le Seigneur délivre son peuple par la manifestation de la puissance. Et le peuple sort de l'Égypte. Il traverse la mer rouge. Alléluia. Bien aimé, la mer rouge, c'est le jour du salut. Le jour où tu as donné ta vie à Jésus. Et Moïse
Moïse était la préfiguration de Christ. Moïse était la préfiguration de Jésus. Et nous, Israël, nous étions dans le monde rattachés, liés par les familles, liés par les cultures, liés par les malédictions, liés par les puissances occultes. Jésus est venu nous chercher. Comme Dieu a dit, j'enverrai mon fils, il sortira mon père. Bien les jours tu donnes ta vie à Jésus, tu traverses la mer rouge. Et Marie-Bénie, ça, quand même. Fais-nous l'aspect. J'ai dit sûr que c'est message va payer. Rima, ça, Kabashika. Sois avec moi, mon ami. Rima, ça, Kabaya. Bien, je suis sûr et certain que ce message va payer les gens ici. Je suis sûr et certain que ce message va éliminer les gens ici. Je suis sûr et certain, ce message va mettre les diables sous nos pieds totalement. Alléluia. Mais maintenant, Moïse sort le peuple. Il les amène en dehors d'Égypte. Et c'est là où notre marche commence. Parce que vous êtes ici, je suis convaincu que vous avez déjà donné votre vie à Jésus. Bien, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, si ta conscience te reproche de quelque chose, de ta marche avec lui, quand je vais faire la paix, mon ami n'est pas honte, réconcilie-toi avec Dieu. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Parce que ce message concerne ceux qui sont sortis d'Égypte. Ceux qui ont donné leur vie effectivement à Christ. Ceux qui ont traversé la mer rouge. Parce que là, ce message commence. Alléluia. Mais laisse-moi t'expliquer. Si dans ta conscience, quelque chose te reproche dans ta marche avec Dieu, si dans ta conscience, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta marche avec lui, bien aimé, quand j'ai fait la paix, réconcilie-toi avec ton père. Alléluia. Bien aimé, la marche commence quand il traverse la mer rouge. Là, les oppresseurs est resté dans la mer rouge. Bien aimé, tu es censé ne jamais être lié par les diables. Tu es censé ne jamais être attaché par les diables. Mais quand on traverse la mer rouge, l'école de Dieu commence. La première étape, c'est de te libérer de l'Égypte par les saluts. La deuxième étape, c'est de commencer l'école. Il les a menés à la terre promise. Je rappelle, la foi chrétienne a d'abord le salut, première étape. Deuxième étape, l'école de Dieu, que j'appelle l'école du désert. Troisième étape, la terre promise. Chacun de nous est censé passer par ces trois étapes. Quelqu'un peut dire amen? 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 Je dis ceci. Tu ne peux pas sauter les déserts pour te retrouver à la terre promise. Rimasa Kalashi Karala. Oh, quelqu'un peut dire amen avec moi ce soir. Bien aimé, je vais t'apprendre comment réduire les déserts. Mais c'est une étape où tu dois passer. Parce que dans le plan de Dieu, il veut que son peuple sorte de l'Égypte, passe par le désert, arrive à Canaan. Tu ne peux pas contourner le désert pour te retrouver à Canaan. Il faut que tu sois dans le processus de Dieu. Parce que le Seigneur poursuit un but. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Oh, Dieu m'a révélé ces choses. Et j'ai compris que le Seigneur n'a jamais changé. La Bible dit, il est le même. Il est aujourd'hui éternellement. En lui, il n'y a point d'ombre de variation. Bien aimé, toi et moi, nous sommes censés passer par les déserts. Les déserts n'étaient pas quelque chose de négatif, comme les gens le pensent. Mais les enfants d'Israël ont fait du désert quelque chose de négatif. Pour Dieu, le désert était l'école de Dieu. Parce que Moïse, leur leader, est passé par le désert. Il ne pouvait pas aller libérer Israël sans avoir passé dans son désert à lui. Il y a des choses en nous. Il y a des choses en nous. Et nous les découvrons dans le désert. C'est là où Moïse a découvert les choses qui étaient au dedans. Et c'est là où Moïse a découvert, bien
Bien-aimé, je t'ai dit une chose. Moïse est sorti d'Égypte à 40 ans. Il est allé résider dans les déserts 40 ans. Bien-aimé, c'était l'école de Dieu. Pourquoi? Parce que Moïse était habitué à être au palais. Il était habitué à être servi. Il était habitué à ce que les gens fassent des courbettes devant lui. Mais Moïse était habitué à la sagesse humaine, mais ne connaissait pas la sagesse divine. Il devait se déplier. Il devait enlever tout ce qu'il a acquis chez Pharaon année après année, pour que année après année, mon Dieu le réprogramme. Et quand il aura fini le corps de Dieu, il était qualifié à 80 ans, un féron, mais avec un bâton. C'est bâton d'autorité, c'est bâton de commandement, c'est l'onction de Dieu. Il est lorsque vous sortez du désert, vous sortez avec l'onction du Seigneur. Et le diable ne peut jamais se tenir devant vous, parce que vous êtes sorti de l'école de Dieu. Et Moïse est sorti de l'école de Dieu avec 80 ans. Cette fois-ci, il n'était plus prêt physiquement, il était prêt spirituellement, parce qu'il était habitué à la puissance de Dieu. Bien-aimé, je t'ai dit une chose. Dieu ne peut pas t'amener en Égypte pour libérer son peuple si tu n'as pas fait passer à l'école de Dieu. Dieu ne peut pas te mandater si tu n'as pas fait passer à l'école de Dieu. C'est le diplôme de Dieu qu'il te faut. Mon ami, mon frère et ma soeur, quand tu me suis à la télévision ou sur Internet, il faut que tu passes par cette école. Il faut que tu ne fuis pas cette école. Cette école est pour toi. Tu sortiras avec le manteau de Dieu. Parce que dans l'école de Dieu, c'est l'école de la dépendance. Et Dieu voulait apprendre à Israël. Moi, je suis l'Éternel qui vous a fait sortir de l'Égypte. Vous n'aurez point d'autre Dieu devant ma part. Il n'y aura personne qui t'élèvera entre toi et moi, entre toi et vous. Vous devez dépendre de moi. Et c'est pour cela qu'il devait les faire marcher dans un désert, le lieu de la dépendance, le lieu où l'homme manque de tout. Mais le Dieu pourvoyeur est là. Il devait leur montrer, je suis pourvoyeur. Je pourvoyerai à tous vos besoins. Mon ami, il devait briser les bras humains pour que le bras divin apparaisse. Il devait détruire quelque chose d'humain pour que le divin apparaisse. Laisse-moi t'expliquer. L'école de Dieu, c'est l'école où la chair tombe et l'esprit naît. Parce que à cet endroit, nous dépendons totalement de Dieu. Nous ne regardons plus au sol, nous ne regardons plus à notre père, nous ne regardons plus à notre mère, nous ne regardons plus à ma femme, je ne regarde plus à mes enfants, mais je regarde à Jésus. Je suis désolé pour vous, vous qui priez des images, mon ami, que Dieu vous fasse grâce de vous prier comme ça. Alléluia. 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 Parce que je n'ai pas prié ce message autrement. J'aurais bien voulu être plus calme, plus posé, mais ce message est tellement fort, c'est un message tellement puissant que je ne peux que le prêcher comme ça. Que demain tu ramènes avec moi ce soir. Bien dit, les enfants d'Israël rentrent dans l'école de Dieu. Dis à ton voisin, tu dois rentrer dans l'école de Dieu. Tu dois entrer dans l'école de Dieu. Quelqu'un peut dire amène avec moi. Quelqu'un peut dire amène avec moi. Et la marche commence. Je vais vous expliquer que la marche en Israël, d'Israël dans le désert, avait 6 étapes. Alléluia. Alléluia. Lisez votre Bible, vous allez voir. Ils avaient 6 années. Quand ils sont sortis de l'Égypte, ils sont arrivés à Mara. Amen. Là où l'eau est venue, amen. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Quand ils étaient en Égypte, ils étaient esclaves. Mais au moins, ils avaient de l'eau douce. Mais à ce moment-là, Dieu voulait leur dire, maintenant, vous devez entrer dans mon école. L'eau commence à être amère. Mais les enfants d'Israël n'ont pas compris pourquoi Dieu les a menés là. Les enfants d'Israël ont raté leur examen. Toutes les fois que Dieu permettait une épreuve devant eux, ils murmuraient. Pourquoi? Parce qu'ils ne dépendaient pas de Dieu. Amen. Et ils arrivent à Mara. L'eau est amère. Ils crient. Ils murmurent. Et Moïse va vers l'Éternel et dit, l'eau est amère. Qu'est-ce que nous devons faire? Mais pourquoi vous voyez la différence entre Israël
fait sur mes corps. Amen. 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 La différence entre les hommes de Dieu n'est pas dans la Bible, parce que la Bible nous appartient tous. Ce n'est pas dans les messages, parce que nous pouvons prêcher ce même message. Mais la différence est le niveau de dépendance de chacun à son Dieu. Et quand nous dépendons de Dieu, nous parlons à l'esprit. La Bible dit que cette parole est l'esprit et vie. C'est-à-dire que lorsqu'elle est annoncée, elle véhicule l'esprit. Elle mouille l'esprit. Et l'esprit donne vie. Et là, Moïse vient vers le Seigneur. Il dit l'eau est amère. Et le Seigneur montre à Moïse un bois. Il jette dans l'eau, l'eau devient douce. Il passe l'étape. Quelqu'un te dit l'amène avec moi. Quelqu'un te dit l'amène avec moi. La deuxième étape, c'est à Élie. Là où les enfants d'Israël réclament la viande. On mangeait la viande en Égypte. On mangeait en Égypte. On avait un bourreau. Mais pourquoi il nous donnait à manger? Quelqu'un te dit la main. Quelqu'un te dit la main. Et là où l'Éternel s'est révélé par la main, Dieu les a donné le repas que lui-même a préparé. Mon ami, dans la cuisine céleste, où le grand chef est étoilé, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a préparé et il a fait tomber la mort. Quelqu'un me dit la main avec moi ce soir. Ils étaient en train de leur expliquer. Vous devenez différents. Frères et sœurs, accepte la différence. Frères et sœurs, accepte que tu n'es plus un être humain ordinaire. Accepte que tu es un surhumain. Accepte que celui qui est en toi gouverne la terre. Accepte que tu ne meurs pas comme les autres meurent. Que tu ne vis pas comme les autres vivent. Accepte la différence. L'école de Dieu, c'est l'école de la différence. Où il prend les esclaves, il veut faire donner vainqueur. N'oublie pas, quand Dieu donne Canaan, Canaan est habité par cette nation forte et plus grande qu'Israël. Donc le Seigneur est en train de préparer les esclaves brimés tout le temps avec le fouet derrière le dos. Il est en train de les redonner un mental, le renouvellement de l'intelligence. Il est en train de reprogrammer des perdus pour être des vainqueurs. Il est en train de reprogrammer quelqu'un qui est couché pendant des années, malade, comme devant la petite de Bethesda, un évangéliste international. Mais lui, cela prend du temps, cela demande des processus, cela demande de la patience. Quelqu'un qui l'amène avec moi. Amen. Arrête de dire pourquoi moi. Arrête de dire pourquoi moi. Arrête de dire pourquoi je souffre tant. Arrête de dire pourquoi je ne réussis pas. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Ils arrivent à Mara. Oh, à Élie plutôt. Là où le Dieu pourvoyeur apparaît. Quand ils quittent là, ils arrivent à Refidim ou Meriba. Là où l'eau manque encore, les enfants d'Israël, malgré qu'ils ont vu Pharaon mourir, malgré qu'ils ont vu Dieu changer l'eau amère en l'eau douce, malgré qu'ils ont vu la main tomber du ciel, ils tombent encore dans l'incrédulité. Donc jusque-là, ils ne comprennent pas qu'est-ce que Dieu poursuit. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Et là, Dieu dit à Moïse, je te précède sur le rocher. Viens, frappe le rocher. Le rocher donnera de l'eau. Alléluia. Alléluia. Et Moïse, il frappe le rocher. Je ne veux pas rester de l'autre côté. Il frappe le rocher et l'eau coule. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Ils sortent de là, ils arrivent à Sinaï. Où le mont Horeb. Non, plutôt. À Sinaï, excusez-moi. Ils arrivent à Sinaï. Et là, Dieu donne la loi. Voyez.
il les prépare pas à pas. Mais à chaque étape, Israël échoue l'examen. À chaque étape, la Bible dit, mais juste vivra par la foi. Et là, cette marche a pour but de faire un homme dominé par le sens, de devenir un homme qui croit. L'école de Dieu a un seul but, de faire transiter l'homme naturel à l'homme l'image de Dieu. Nous devons retrouver l'image que Adam a perdue. Nous devons retrouver l'image que l'homme a perdue. Parce qu'on ne peut marcher avec Dieu que lorsqu'on retrouve notre identité. Et ici, Dieu est en train de préparer son peuple. Elle dit, vous devez être comme moi. Vous devez marcher comme moi. Mais à chaque étape, Israël échoue. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Quand ils quittent Sinaï, ils arrivent au désert des parents. Dans le désert des parents, Israël se met à murmurer. Il murmure maintenant contre la main. La main que Dieu leur donne. Ils se mettent à murmurer. Non, on n'a pas autre chose que ça. Quel privilège ils avaient d'être nourri par Dieu. Amen. Quel privilège. Vous voyez, nous les chrétiens, nous sommes totalement pareils. Quel privilège ils avaient d'avoir un Dieu qui leur donne à manger. Ils disent non, nous on ne veut pas. On ne veut pas la main. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Et là, ils murmurent jusqu'à ce que Aaron et Mariam viennent murmurer contre Moïse, apparemment. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Ils échouent encore. Amen. Mais leur grand échec était à Kadesh Barnea. Là où ils ont scellé leur arrêt de mort. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Est-ce que tu as acclamé la parole de Dieu? Vous voyez combien la miséricorde de Dieu est grande. Au désert des parents, Moïse est fatigué, épuisé par le peuple, acculé. Moïse vient voir les gens et dit non, je ne peux plus continuer. Voilà, moi ce n'est pas mon peuple, c'est ton peuple à toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est toi qui les as fait sortir d'Israël, de l'Égypte. Moi je ne peux plus les poser, c'est trop lourd pour moi. J'ai lu le passage, j'ai compris que Moïse était au bout. Il a dit, fais-moi grâce de me tuer. Quelqu'un me dit amen. Il demande sa mort. Voyez-vous un peuple qui n'arrive pas à croire. Amen. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen ce soir. Quelqu'un peut dire amen ce soir. Ils ont vu la puissance de Dieu réellement. Ils ont vu la manifestation de sa bonté. Mais le peuple n'arrive pas à croire. C'est pareil aujourd'hui. Et là, il pousse Moïse à bout. Moïse dit non, je ne peux plus porter ce peuple. C'est trop lourd pour moi. Alors, fais-moi grâce, dis-moi s'il te plaît. Dis-moi que nous sommes finis. Voyez combien le peuple était incrédule. Mais par la grâce de Dieu, Dieu fait passer encore le peuple l'examen. Mais ils arrivent à un point stratégique. À Kadesh Barnea, là on va lire la Bible, on va lire le livre de Nombre, chapitre 13. Ça vous fait du bien. Amen. Est-ce que vous me saisissez? Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu ce soir? Nombre, chapitre 13. On va lire au verset 27. Amen. 27 à 33, s'il te plaît. Nous lisons la parole de Dieu. Dans le livre de Nombre, chapitre 13, à partir du 27e verset. Nous lisons la parole de Dieu. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans les pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait, le miel, et en voici les fruits. Amen.
Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Vas-y, continue, continue, continue. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Amen. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël les pays qu'ils avaient explorés. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Continue, s'il te plaît. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa les cris et le peuple pleura pendant la nuit. Tout le peuple d'Israël murmura contre Moïse et Aaron et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans les pays d'Égypte ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Amen. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne faut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Amen. Tu peux d'abord t'arrêter là. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés, ici j'arrive à Kadès Barnéa. Laisse-moi t'expliquer, Kadès Barnéa est la toute dernière étape. Amen. Parce que Kadès Barnéa est la porte de Canaan. Quand vous lisez plus tôt, Moïse a envoyé 12 espions à Canaan. Et ils ont exploré Canaan pendant 40 jours. Donc cela veut dire qu'ils ont eu le temps d'aller, d'explorer et de revenir à Kadès Barnéa pendant 40 jours. Donc si on calcule bien, ils étaient peut-être à une semaine de la terre promise. Est-ce que vous me saisissez ou pas? Est-ce que vous me saisissez ou pas? Malgré qu'ils murmuraient, malgré qu'ils ne croyaient pas, les Seigneurs continuent à les amener pas à pas, pas à pas, pas à pas, jusqu'à la porte de Sion. Jusqu'à la porte de leur miracle. Et Dieu dit, allez espionner. Ils partent, ils espionnent, ils reviennent. Ils ont oublié très vite ce que Dieu a fait en Égypte. Ils ont oublié très vite tous les miracles qu'ils ont eu tout au long du chemin. Et ils sont aux portes de leur miracle. Et là, c'est le tout dernier pas à franchir. Et là, ils disent, nous, on ne peut pas y aller. Là, nous trouvons les enfants d'Anak. À nos yeux et à leurs yeux, on était comme des sauterelles. Mais c'est qu'ils ont oublié que le Dieu qui marchait avec eux par une colonne de nuée n'était pas une sauterelle. C'est qu'ils ont oublié les signes distinctifs de la présence de Dieu étaient au milieu d'eux. C'est qu'ils ont oublié que le Seigneur a fait couler l'armée la plus forte de cette époque. Quelqu'un peut dire amène avec moi. Il leur a donné la victoire en face de l'armée la plus forte de l'époque. Donc ils allaient chasser totalement toutes ces personnes. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Bien aimé, là, ils ont fait au plus haut point Dieu. Et là, les peuples se mettent à pleurer toute la nuit. Moïse et Aaron apparaissent pour les calmer. Ils disent, on va te lapider et on va retourner en Égypte. Quelqu'un peut dire amen. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Dis à ton voisin, tu dois réussir l'école de Dieu. Dis-lui, tu dois réussir l'école de Dieu. Bien-aimé, si tu suis ce message, tu vas être béni. Parce que je sens la présence de Dieu là où je suis. Bien-aimé, ce que tu sens dans ton corps là, c'est la présence de Dieu.
Alléluia. Bible, laisse-moi t'expliquer. Ici, il sort la dernière ligne. Et il pleure, il gémisse, il dit même que Moïse dit, oh, dis encore un mot. On te lapide et on retourne. Amen. 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 Ils ont oublié le bâton de leur meneur. Alléluia. Voyez-vous l'incrédulité, comment peut vous détruire? Voyez-vous comment l'incrédulité détruit? Et Dieu dit, bon, quand vous avez dit que vous allez devenir un poids, à chaque jour de votre exploration correspond une année. Vous allez faire 40 ans ici-là. Oh, quand tu m'as ouvert les yeux, waouh! Mais quand Kadesh Barnéa est complètement au nord. Et Dieu dit à Moïse, retourne. Ça veut dire que le Seigneur, au lieu d'aller devant, il est fait retourner. On est entré directement dans la terre promise. Le Seigneur le fait balader dans tout le désert pendant 40 années jusqu'à ce qu'il en finisse avec cette race incrédule. Quelqu'un peut dire amen avec moi? Quelqu'un peut dire amen avec moi? Et Dieu me montre en disant, je provis 11 jours du mont Sinaï à Kadesh Barnéa. Au Kadesh Barnéa, c'est comme Pont de Clichy et la terre promise de Jérémie. Quelqu'un peut dire amen? Donc dans la marche avec Dieu, dès qu'ils sont arrivés à mont Sinaï, Dieu a prévu 11 jours. Ils étaient à la porte de Canaan. Leur incrédulité leur a coûté 40 ans de l'école de Dieu. Quelqu'un peut dire amen avec moi? Et si on analyse Israël, on voit qu'Israël avait deux faiblesses. La première faiblesse, Israël regardait toujours en arrière. Jamais en avant. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire amen avec moi? Quelqu'un peut dire amen avec moi? Quelqu'un peut dire amen avec moi? Israël regardait toujours en Égypte. Où Dieu leur a dit, vous n'y retournerez plus jamais. Les chrétiens regardent toujours en arrière. Quand je sortais avec Jean-Marie, quand je sortais avec Luc, quand je sortais avec Pierre, mon ami, Dieu veut te donner le futur. Tu ne peux pas marcher par la foi si tu n'as pas la vision. Que l'Éternel lève les yeux, voie sa guérison. Pourquoi Dieu leur a promis la terre promise? Pour que leurs yeux soient rattachés à la récompense. Pour que leurs yeux soient rattachés où ils vont. Pour que leurs yeux soient rattachés où Dieu va les amener. Ils allaient supporter le preuve de l'école de Dieu. On ne peut pas être un commandeur si on n'a jamais dormi dehors. On ne peut pas être un vainqueur si on n'a jamais souffert. Et Dieu leur disait, souffrez, regardez devant, que là où vous allez devenir les vainqueurs. Les enfants d'Israël ont ce même souci avec nous les chrétiens. Nous regardons toujours en arrière. Les promesses, c'est regarder en avant. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Dis amen. J'ai réalisé une chose. Dieu nous donne toujours un futur. C'est ça qu'il dit, je connais les plans que j'ai formés pour toi. Les plans de bonheur pour te donner un avenir, non un passé, un avenir. Si tu étais une prostituée, il y a un avenir pour toi. Si tu étais un alcoolique, il y a un avenir pour toi. Si tu étais un toxicomane, il y a un avenir pour toi. Si tu étais coureur de jupons, il y a un avenir pour toi. Si tu étais femme stérile, il y a un avenir pour toi. Si tu étais coué par la maladie, il y a un avenir pour toi. Si tu étais attaché par les liens de la famille, il y a un avenir pour toi. Bien-aimé, lève les yeux de là où tu es et ne quitte plus jamais de vue la terre promise. Ne quittons jamais de vue là où Dieu nous amène. Tu es avec moi ce soir? Tu es avec moi ce soir? Qui est avec moi ce soir, ne quitte jamais de vue le mariage que Dieu t'a donné. Ne quitte jamais de vue le ministère que Dieu t'a donné.
ne quitte jamais de vous la promesse que Dieu t'a donnée. Et ça, c'est la faiblesse fondamentale d'Israël. La deuxième faiblesse d'Israël, c'était leur pensée. Ils avaient une mentalité totalement du désert. Ils avaient l'habitude de se plaindre. Cette mentalité bloquait leur marche avec Dieu. Au point qu'ils ne pouvaient plus apprécier ce que Dieu faisait au milieu d'eux. Bien-aimé, tu peux manquer un mari, mais tu as une vie. Laisse-moi t'expliquer. Vis pleinement ton célibat. Tu t'épanouiras dans ton mariage. Parce que le jour où tu vas te marier, le célibat est fini. Il y a des choses que tu devais faire maintenant. Fais-le, vis-le pleinement. Ne te prive pas de ce que tu n'as pas. Contente-toi d'abord de ce que tu as. Marcher avec Dieu est impliqué un changement de la mentalité. Dieu a écrit la mentalité des vainqueurs. Les vainqueurs ont une façon de penser. Oh, mon frère et ma soeur, les vainqueurs pensent autrement. Quelqu'un peut dire amen avec moi ce soir? Quelqu'un peut dire amen avec moi ce soir? Je te dis, les vainqueurs sont forts dans la tête. Ils sont forts dans la pensée. Ils sont forts dans la pensée. La victoire sur cette terre est dans la pensée. Bien-aimé, lorsque tu deviens fort dans la pensée, tu as gagné sur les diables. Et c'est que le Seigneur poursuivait en eux, qui deviennent fort dans la pensée, qui deviennent fort dans la pensée, et qui voient au-delà des épreuves. Parce que la Bible dit que les yeux voient et passagers, c'est que les yeux ne voient pas éternel. Les chrétiens échouent parce qu'ils sont faibles dans la pensée. J'ai dit ceci. Ils regardaient en arrière. Ils regardaient en arrière. Ils étaient très faibles dans les pensées. Donc à chaque instant où ils rencontraient une épreuve, leur foi tombait. Parce que la pensée n'était pas solidement ancrée en Dieu. Un vainqueur n'abandonne jamais. Écoute-moi, un vainqueur n'abandonne jamais. Un vainqueur à la première épreuve l'abandonne. Laisse-moi t'expliquer, si tu n'abandonnes jamais, tu es gagnant. Je t'ai dit, n'abandonne jamais. N'abandonne jamais. J'ai dit, n'abandonne jamais. Ne faiblis jamais. Un vainqueur, la victoire est à la tête. La victoire est dans la pensée. Et la Bible nous dit, nous avons la pensée de Christ. Le Seigneur n'a jamais abandonné. Jusqu'à ce qu'il dise, tout est accompli. Tu n'abandonneras jamais jusqu'à l'accomplissement des promesses. Et tu n'abandonneras jamais jusqu'à l'accomplissement des promesses. Parce que je sais où je vais et je n'abandonne jamais. Lorsque la bataille arrive, je fortifie mes pensées. Parce que je sais, si je suis fort dans la pensée, j'ai obtenu la promesse. Vous savez, lorsqu'on saisit la pensée, lorsqu'on fortifie la pensée, on est un vainqueur. La différence entre un vainqueur et un vainqueur, c'est dans la pensée. Quelqu'un est fort, quelqu'un est passé fort aujourd'hui ce soir. Oh, que quelqu'un qui n'a plus jamais marché, qui commence à se dire je suis obligé de se dire, et je vais prendre les gens, parce que dans la pensée que les miracles se produisent. Cette femme a mis les sangs coulés, elle a dit, un jour je toucherai cette robe, je toucherai cette robe, et je voyais cette femme à côté de moi, j'ai dit qu'elle a coulé les paillards, et cette femme a péri par la maladie, je m'imagine qu'elle a guéri, mais la pensée était forte, il a traîné les mains, je m'imagine qu'il a touché juste par un bout de voix, et je dis qu'il a dit quelqu'un m'a touché, parce que la pensée est une prière, la pensée est une force.
eau faiblit dans la pensée, notre corps, notre force faiblit. Amen. Amen. Il y a des commandos ici dans cette assemblée. Il y a des vainqueurs qui possèdent. Mon ami, tu ne mourras pas, tu mourras. Si tes pensées ne laissent pas mourir, tu ne mourras pas. Si tes pensées ne mènent pas, tu ne mourras pas. Laisse-moi te dire, si tu es fort dans les pensées, tu as gagné la bataille. Même si tu marches en titubant, même si tu marches en quatre pas, mon ami, juste que tes pensées restent debout. Laisse-moi t'expliquer. Ton corps est aligné, mais tes pensées continuent à marcher. Que tes pensées continuent à marcher. Et tu marcheras comme les pensées marchent. Amen. Les ressources de Dieu sont inépuisables. Les ressources de Dieu sont inépuisables. Bien, je te dis maintenant aujourd'hui que le deuxième secret de la victoire, comme je te l'ai dit, en regardant les enfants d'Israël, nous voyons clairement que les enfants d'Israël regardaient au passé. Et nous, nous devons regarder dans l'avenir. Les enfants d'Israël étaient faibles dans la pensée. Et nous, nous devons être forts dans la pensée. Mais comment on a la force de la pensée? Comment on garde la vision vers l'avenir? Il y a un secret. Lisons Jean chapitre 15. Est-ce que nous sommes prêts à recevoir aujourd'hui? Est-ce qu'on sait que tout est possible à Dieu aujourd'hui? Jean chapitre 15. Dis avec moi ce soir. Dis avec moi. Jean chapitre 15, verset 5. Et verset 7 à 8. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Dans le livre de Jean, au 15e chapitre. Nous allons lire le 5e, le 7e et le 8e verset. Nous lisons la parole de Dieu. Je suis le cèpe, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien. Cette colonne était avec eux tout le temps. Qu'il est montré de manière visible, je suis au milieu de vous. Rien ne vous arrivera, je suis au milieu de vous. Que quelqu'un entende que Dieu est au milieu de vous aujourd'hui. Rien ne t'arrivera, Dieu est au milieu de vous aujourd'hui. Et cette colonne représentait la présence de Dieu. Et c'est ce qui explique que lorsque nous demeurons dans la présence de Dieu, lorsque nous recherchons la présence de Dieu, nous devenons invincibles. Dis à ton voisin qui est invincible. Dis-lui qui est invincible. Peu importe la situation dans laquelle tu vis. Bien aimé, je vais tout simplement te dire, c'est pour ça que Jésus-Christ dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez vous vêtir. Ne vous inquiétez pas de tous les besoins de la terre. Cherchez le royaume. Le royaume de Dieu, c'est moi, Jésus, le roi. Cherchez-moi et vous aurez tout ce dont vous avez besoin. En tant que tel, l'unique besoin d'un chrétien, c'est d'aller demeurer en Christ. Amen. Amen. Tu es avec moi ce soir. 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 Bien, je sais qu'il est faux. Ce n'est pas une mari, ce n'est pas une femme, ce n'est pas un enfant, ce n'est pas un bourreau. Ce n'est pas ce qui te faut que tu demeures en Christ. Et que lui demeure en toi. Et lui est là, toi qui es une branche. Laisse-moi t'expliquer que la sève va monter dans l'arbre pour aller dans une branche. Et la branche produit le fruit. Ce n'est pas l'arbre qui produit le fruit, mais c'est la branche qui produit le fruit. Ce n'est pas Jésus qui va produire des guérisons. Il n'est jamais malade. L'arbre, la branche va produire le fruit de guérison. La branche va produire le fruit de prospérité. La branche va produire le fruit de l'élévation. La branche, c'est toi la branche. Lui est l'arbre. Tant que tu restes attaché, tu produis le fruit. Je n'aurai plus jamais peur. Non, 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 non,
La Bible nous propose de payer votre connaissance. N'aie jamais peur. Même si l'organe de ton corps ne fonctionne pas, n'aie jamais peur. Cet organe de ton corps, la sève va monter dedans, va prendre vie. Il a dit, je suis l'arbre. Quel est ton besoin aujourd'hui? L'arbre est là. L'arbre est enraciné. Et la sève monte de cet arbre. Et toi, tu produis les fruits. Dis à ton voisin, je vais produire les fruits. Tu vas voir les mains. Vous savez, il dit, si vous produisez les fruits, votre Père sera glorifié. Si vous produisez des mangues, votre Père sera glorifié. Si vous produisez des oranges, votre Père sera glorifié. Et il vous dit, attachez-vous à moi. Laisse-moi maintenant t'expliquer à des mots simples avant compris. Laisse-moi maintenant expliquer de manière simple et totalement simple. La source du Christ ne tarit jamais. Aussi prompte que tu seras à croire, aussi vite tu passeras l'école de Dieu. Amen. Amen. Aussi prompte tu seras à cerner le mystère du royaume. Oh, Jésus te dit, Père, je te rends grâce. Parce que ces choses, tu les as cachées aux intelligents et aux sages. Et tu les as montrées aux enfants. Mais il y a des révélations dans la parole de Dieu. Il faut que les yeux de l'esprit s'ouvrent pour que tu les voies. Alors je t'explique une chose. Si tu demeures attaché à l'arbre, tu sortiras avec un bébé. Si tu demeures attaché à l'arbre, tu sortiras avec un ministère qui va traverser les cinq continents. Si tu sors, tu restes attaché à l'arbre. Ce n'est pas une maison, ce n'est pas une voiture, ce n'est pas un vêtement qui va te manquer. Parce que le fruit doit sortir de la branche. Bien, quand la vie de Jésus coule en nous, sans mesure, hey my God, quand la vie de Dieu coule en nous, parce que nous sommes devenus des branches attachées, parce que nous sommes devenus des branches attachées, nous devenons des distributeurs de bénédictions, nous devenons des distributeurs de l'esprit, nous devenons des distributeurs de grâce, nous devenons des distributeurs de gloire. Tout ce qui manque en contact avec nous, il prend la vie. Amen. 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 Va t'attacher à l'âme. Tu vois même les fils là-bas, il dit oui. Il a 12 ans. Amen, amen. Il a compris le principe. Il dit, fiston, va t'attacher à l'arbre. Le problème, nous chrétiens, nous ne voulons pas nous attacher à l'arbre. Et ce n'est pas l'arbre qui vient vers nous. C'est nous qui allons nous attacher. Il dit, si vous vous détachez de moi, vous vous séchez. Si vous vous détachez de moi, vous allez regarder quand je vais vous marier, quand je vais avoir ma mère, quand je vais faire ceci. Mais si vous regardez à tout ce qui m'entoure, je ne verrai jamais les ministères. J'ai compris que je ne regarde à rien, je m'attache. S'attacher. Venir aimer Jésus. Tu étais pas aimé Jésus dans cette église. Amen. Plus que ta propre vie. Celui qui t'amènera sa vie la perdra. Amen. Mais celui qui la perd la retrouvera. Alléluia. Hé Marie qui est méchique. Je te dis, si tu gardes ta vie, tu vas la perdre. Alléluia. Mais si tu acceptes de la perdre, tu vas la retrouver. Amen. Je te dis, si tu gardes les honneurs, tu vas les perdre. Et si tu acceptes que les gens te traitent de Dieu, mais au fin de compte, c'est gagné. Parce que les gens changeront toujours d'avis. Ils peuvent t'insulter aujourd'hui, demain ils vont t'applaudir. Laisse-moi t'expliquer, quand les gens te disent pourquoi tu pries trop longtemps. Vous savez, il y a des moments, je me suis dit, mais pourquoi je prie autant? Mais après, j'ai compris que je devais m'attacher. La nature humaine ne s'attache pas. Dans cette assemblée, en ayant une vision claire dans ton esprit, je m'attache. Dis à ton voisin, je m'attache.
Dis à ton voisin, je m'attache. Peu importe ce que je vis, je m'attache. Peu importe les symptômes, je m'attache. Peu importe ce que les gens disent autour de moi, je m'attache. Peu importe ce que mon père ou ma mère dit, je m'attache. Dis, mais attache-toi aujourd'hui. Peu importe les échecs, je m'attache. La parole que Dieu avait de vous donner vous communique l'esprit. Laisse-moi t'expliquer. Même si on t'a attaché pendant 40 ans, avant même que la corde parle à quelqu'un dans cette assemblée, bien, mais je te dis ce soir, même si tu vois que tes ennemis sont plus forts que toi, même si tu vois que tes ennemis sont plus coriaces que toi, même si tu vois que tu ne peux pas les affronter, comme les enfants d'Israël ne pouvaient pas affronter les enfants d'Anak, mais tes combats appartiennent à Dieu. Toi, attache-toi. Toi, attache-toi. Toi, attache-toi. Il faut quitter un à un. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts de nous approcher de Dieu maintenant? Bien-aimés, ce soir, je vais bénir les gens. Je vous bénis ce soir. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes prêts à vivre une vie de victoire et d'attente? Est-ce qu'on est prêts? Est-ce qu'on est prêts? Dis à ton voisin, est-ce que tu es prêt? Dis-lui, est-ce que tu es prêt? Voyez. Les enfants d'Israël avaient tout sur un plateau, mais ils n'étaient jamais prêts. Voyez, être prêt, c'est accepter la Bible telle qu'elle est. Être prêt veut dire, diable, Dieu est vaincu. Aujourd'hui, tu vas prendre tes immondices, tu vas partir. C'est savoir que le Dieu que nous servons ne joue jamais. C'est le savoir qui m'a déjà tout donné. C'est le savoir qui m'amène dans un tableau. Quelqu'un peut le savoir aujourd'hui? Alors nous allons tous nous lever et dire à Dieu merci. Oh merci Seigneur de Dieu. Oh merci Seigneur. Oh merci Seigneur. Mes chers, restez là où vous êtes. On va dire à Dieu merci. Oh merci Seigneur.